Donc, sur Pokémon Unite, vous avez entendu vite fait, la voix de Pokémon Unite a changé. C'était clairement une voix française. J'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit, le jeu est en français directement, du coup, ça c'est chouette. J'ai pas mis le menu parce qu'il y a un détail de patch que je vais lire vite fait. Donc, il y a une grande mise à jour afin de pouvoir jouer sur la Switch et mobile, parce que ça y est, Pokémon Unite est dispo sur les téléphones. C'est à la fois cross-platform et cross-save aussi, ça veut dire on peut jouer sur Switch, passer sur mobile, puis repasser sur Switch, puis repasser sur mobile, etc. etc. À condition d'associer les comptes pour la sauvegarde. Voilà, c'est écrit à l'écran. Il y a quoi d'autre? 5 millions de personnes se sont préinscrites, il y a plein de cadeaux, il y a des tickets à iOS, le permis unité pour Pikachu, ce que j'avais déjà, l'Holo Costume Pikachu au festival, vous pourrez également. Pardon, excusez-moi, j'ai envie d'éternuer depuis tout à l'heure. Vous pourrez également utiliser les cadeaux obtenus lors de la campagne de préinscription sur la version mobile, de la version mobile sur la Switch, patati patata. Il y a un nouveau pass de combat, une ombre en apesanteur, donc en gros un truc avec l'espace, une nouvelle fonctionnalité, les clubs unités, bah en gros c'est un système de guildes. J'en vois pas trop l'intérêt, je vous avoue, mais bon, si ça permet de jouer un peu plus en groupe, pourquoi pas. Autre changement et nouveauté, ajout de missions spéciales permettant d'obtenir le permis unité de Zeraora. Chose que j'avais déjà sur la Switch parce que j'ai joué dès le premier jour du jeu. Donc Zeraora, je l'ai déjà. Du coup, je pense que ça va être compensé pour si je fais les missions spéciales, ça sera compensé avec des pièces ou des tickets. Un nouvel événement lié aux objets tenus. Ah, un guide de combat. Ça peut être bien, ça. Il aurait fallu mettre dès le départ. Regardez une partie. Oh, il y a un mode spectateur maintenant. D'accord, il y a un mode spectateur. On peut dire bravo pendant les parties. Génial. On peut jouer hors ligne. Quel intérêt? Je ne comprends pas l'intérêt. Modification de la boutique. Il y a des bugs qui sont corrigés. Correction de problèmes liés au texte du jeu. Refonte de l'interface utilisateur. Oh, enfin! Modification de l'apparence de certains articles de mode pour les dresseurs et les dresseuses. Déjà des modifications d'apparence? Ok. Modification suivante sur les stats. Bon, après, voilà, ça c'est directement sur les Pokémon. Je vous inviterai à lire les patchs soit sur le Discord, parce qu'en général on les poste, soit sur directement les réseaux Pokémon. Ok. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de modifications. D'accord. D'accord. Pokémon Sauvage. Ah, oui, je veux bien savoir. Régis Gigas. D'accord. Bon, ils ont rajouté un buff dessus, quoi. J'accepte les conditions d'utilisation. Ah, oh, faut toutes les lire. Nintendo, sérieux. Ça charge même pas, ça charge hyper mal vos conditions, Nintendo. Oh là là. Attendez. Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'il y avait une arnaque. Bon, allez, on passe, on passe, on passe, on passe. Mais il n'y a même pas un truc pour dire où est-ce qu'on en est dans le texte, quoi. C'est horrible. Ah non, mais par contre, je vais pas faire toutes les. Voilà, confidentialité. Voilà, c'est lu. Comment c'est? Ah, et on peut vider le cache. D'accord. C'est bon à savoir ça, c'est bien qu'il est mis. Des fois, quand ça plante, c'est la meilleure solution, c'est de vider le cache. Lucario dans les étoiles, Ectoplasma dans les étoiles, tenue dans les étoiles, tenue de pirate, Dracaufeu pirate. Oh, il est stylé. Oh punaise, ah oui, ils ont. Ah oui, quand ils parlent de refonte de l'interface, en effet. Ah ouais. Alors, on va commencer par ZL. Ah oui, ils ont. Ah oui. Donc maintenant, il y a tout là-dedans. D'accord. Entraînement aussi, les événements là-dedans.
là, point d'esprit sportif. Ça par contre, ça veut dire qu'il faut faire des actions en plus pour recevoir les points, c'est chiant. Recevoir les pièces, quoi. Là, il y a des nouveaux cadres d'avatar. Paramètres. Langue française, ben ça me l'a fait tout seul, ça, du coup. Les vibrations, je vais les désactiver, je les aime pas, en vrai. Elles sont très très violentes, je trouve, sur la manette. Ok. Jusque là, ça va. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Statut en ligne. Oh, il y a un mode invisible. Autoriser le mode spectateur. J'ai envie de dire sur stream, on peut pas le cacher. Bonjour Emix. C'est passé en français. Oui, depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, c'est passé en français. Ah, voilà, on va apprendre à jouer maintenant que c'est en français. On pouvait voir ça. Jusque là, ça va. Objet de combat. On peut changer les objets de combat en combat maintenant. Ah bah, je pense vraiment pas. Oui, pensez, pour quand vous êtes sur Pokémon Unite, il faut vous lier le compte Nintendo forcément, mais lier aussi votre club des dresseurs Pokémon, c'est important et c'est pas fait. Ça me paraît bizarre, je l'ai pas fait. Parce qu'il y a des récompenses en plus en fait. Notamment pour récupérer. D'autres choses sur les autres jeux Pokémon, etc. C'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours bien d'avoir une Pokéball en plus. Là, c'est le chat, là, c'est les amis, là, c'est les messages, classement, inventaire. Inventaire, du coup. Ouais. Nouveaux objets. Cadeau de passe combat. Je les avais. D'accord, donc en gros, les boîtes que j'avais. Qui étaient buggées, j'avais pas réussi à ouvrir, mais ils les avaient mis là. Ça, je regarde. Pas de cadeau, j'ai pas de consommable. Pas de... Événement. Et là, c'est ils mettent les missions là-dedans. Par contre, ils cachent les missions là-dedans. J'espère qu'on peut les retrouver ailleurs parce que c'est pas agréable en vrai. Les quêtes du jour. C'est les mêmes que d'habitude. Ils ont rajouté une quête. Maintenant, il y a enquête quotidienne, il y a lancer une partie avec un ami, ça va obliger les gens à jouer avec des amis. D'accord, et c'est 30 tickets quand même. Bon, il va falloir que je trouve des amis. Mission communautaire. Utiliser rassemblement une fois dans le chat rapide. Bon, ça devrait le faire. Mission Zeraora. Participer à beaucoup de combats unités. Et obtenir, mais je l'ai déjà en fait, donc je vais quand même le faire. Puis ça se fait tout seul. Ça, vraiment, il n'y a pas besoin de réfléchir. Ça se fait tout seul, petit à petit. On a une date ou pas? Il n'y a pas de date. Ils auraient pu mettre une date. Mission d'aide à l'amélioration des objets tenus. Lancer 5 parties avec un Pokémon Suit. Oh, oh. D'accord. Oh, punaise, ça va faire 50 parties, ça. Polyvalent, rapide, attaquant, défenseur, soutien. Va falloir jouer 50 parties. D'accord. Ouais. Super mission. Atteindre le niveau de dresseur 10. C'est fait. 12. C'est quoi cette monnaie là? C'est quoi cette monnaie? 14. Ouais. C'est pour acheter des objets? Des niveaux d'objets peut-être? Ah non, c'est pour mettre, donner. C'est un jeton de niveau 30. C'est un jeton niveau 30 qui... Oh punaise, c'est pour passer instantanément au niveau... Oh mais c'est pété! D'accord. Campagne de test de grade maximum. C'est quoi ça? Lancer un objet en ayant un objet... 3... Ouais bon, ça c'est tout seul. C'est quoi grade maximum? C'est quoi un grade maximum? Améliore l'objet tenu choisi au grade 30 pendant 7 jours. Ah oui! Ah oui! Ça va déséquilibrer les parties, ça, par contre.
Nouvelle mission de saison support. 6 classés avec un ami, 12 avec un ami, 15 avec un ami. Oh punaise. Alors, lancer 15 parties classées avec un ami. Je vais ajouter des amis. Remporter 12 parties classées avec un ami. Pour gagner des oreilles de chat. Oh mon dieu, quel lieu, c'est du cariou. Mission du centre de recherche. Bah, je les avais déjà faites en fait. Que le combat commence, ça avait déjà été fait. Défi de... Ah maintenant ils ont nommé les... renommé les maps. Vergéliville. Le jardin des senteurs. J'aime beaucoup le jardin des senteurs. Outre-mer, CV. Et le jeu est disponible. Bravo, le jeu est disponible. Voilà, je gagne. Donc, il y a beaucoup de quêtes à faire en vrai. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais c'est des choses qui peuvent être faites toutes seules. Là, faut juste que je retienne celle-là qui est un peu spécifique. Mais ça devrait le faire tout seul. Club Unité, c'est les clubs. Je vais pas créer un club ni en rejoindre pour le moment. Je verrai avec mes camarades de jeu. Objet de combat. Alors, on a potion, attaque plus, vitesse plus, que Skitty. Bouton fuite, écran de fumée, total fumée sur le score. Objet tenu, c'est ce que j'ai là. Ça c'est ce que j'avais déjà en monté moi, et je crois que je peux en monter 3 au niveau 30 directement. L'idée étant d'augmenter les plus bas. Ah mais attendez, il y a des nouveaux objets. Il y a des nouveaux objets. Augmente au moins les... Waouh, c'est pété. Là le dernier c'est pour tank ça. Si je veux l'obtenir celui-là, je fais comment? 1000 pièces ou plein de tickets. Ah bah va falloir y aller avec des pièces. Donc en gros il y a ces 3 nouveaux objets. Je vais pas les prendre avec des tickets, je les prendrai avec des pièces. Je les prendrai avec des pièces. Mais on va voir ça après, ça on verra après. Donc je prendrai ça avec des pièces. Et du coup je vais mettre, bah, vu que ce sera les 3 bas niveaux. Je pense que s'il y a un jeton, amélioration Y, attendez. C'est juste pour un coup. Mais c'est quoi le truc 30 alors qu'il y avait? Si c'est pas pour augmenter un truc au niveau 30 tout seul, indirectement. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Le truc 30, je vois pas. Il va falloir mieux fouiller l'inventaire là. C'est un gros bordel. C'est vraiment un gros bordel. Et coucou, coucou, bonsoir, bonsoir, bonsoir Nino. Après, va savoir un jour. Vraiment, aujourd'hui lire c'est pas mon fort. Après, va savoir, un jour ils seront à gagner. Ah oui, peut-être. Après tout, il y avait des trucs dans le magasin qui se gagnaient. Ça y est, la nouvelle version de Pokémon Unity est sortie. Oui, enfin. Durant cet été, le jeu était en early access, on va dire ça comme ça, en bêta. Et là, aujourd'hui, il sort officiellement, donc sur Switch et mobile pour de vrai. On est directement en saison 2. Et en plus de ça, il est en français. Enfin, on va pouvoir apprendre à jouer et lire correctement toutes les stats des machins et tout. Et mieux comprendre comment le jeu se fait. Et tout a été refait. Absolument tout a été refait par contre. Hein. Vraiment tout. Donc là, il y a les tenues, tout ça, c'est génial, super, ça on s'en fiche. Là, ils ont mis l'entraînement ici, avec les tutos qui sont là. Et là, c'est pour... guide de combat, c'est ce que je cherchais. Plus. Ah, mais c'est juste l'explication de texte. Ouais, mais on s'en fiche, en fait. À partir du moment où on a déjà joué, on le sait, ça. Il y a quoi le machin à rassemblement? Il est tout. Ouais, j'aurais pas mis ça ici. J'aurais mis peut-être de façon plus claire. Là, ça ne paraît pas ouf. Pokémon, c'est ma liste de Pokémon, non? Bonjour, Flambino. Ah oui, parce que Flambino, de son nom. Sa dernière évolution, c'est Pyrobut.
C'est nul comme nom. Pierre au but. C'est nul. Et ils ont réduit les icônes en bas. Ça, c'est déjà plus agréable. Par contre, s'il faut scroll comme ça à chaque fois, le jour où il y aura 100 Pokémon, s'il va falloir scroll pour choisir parmi les 100 Pokémon, ça va être une horreur. Ça va vraiment être une horreur. Donc il va falloir encore une fois faire une refonte de l'interface. Ça, c'est pas intelligent de la part du Nintendo. Bon, on a fait ZL. On va faire X. Il y a quoi en X ? Il y a rien qui a changé. Je suis niveau 26, ça n'a pas bougé. Ils ont rajouté des niveaux. C'était 40 max. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Il y a un cadeau là-haut. Non, c'est juste pour dire... Il n'y a rien au début. Non. Tac, tac. Recherche un salon. Non. Récompense d'énergie. Ça n'a pas bougé. Ah non, par contre, dans le lot de récompenses, il y a des nouvelles choses. Il y a des choses que je ne possède pas. Mais ça, à la limite, je m'en fous, c'est que du bonus. Le pass de combat, on regarde. Toujours aussi cher. Qu'est-ce qui se passe? Mais on s'en fiche de ça! Ça, mettez-le sur YouTube, mettez-le sur Twitter, sur les réseaux, mais ne le mettez pas en jeu. Sur mobile, ça passera pas correctement. Hein. Qu'est-ce que vous dites, le chat? Faut reconnaître l'anglais. Ouais, mais j'ai un peu galéré sur le... Ouais, voilà, c'est... Sérieux, mettez-le sur le shop, mettez pas ça. Bon, bref, c'est pas grave. Faut connaître quand t'as un bon niveau d'anglais, c'est chaud. Même avec un bon niveau d'anglais, je trouve qu'il y a des termes Pokémon qui sont très techniques en fait en anglais. Pour l'onglet d'avant, on dirait que tu pouvais sélectionner différentes images pour des infos en plus, genre pour objet. Oui, c'était le cas. Je pense qu'ils mettront des onglets par type à une époque, je repasse ici. Peut-être. J'ai tout cassé. Le menu, par contre, a changé. Des cinématiques à la Fortnite. Je connais très mal Fortnite, je peux pas juger, même si j'aime pas Fortnite. Les objets du pass, des skins incroyables, des cosmonautes. Ouais, ouais. Dépenser l'argent. Je peux revenir au menu, s'il vous plaît? Allô? Bref. Alors, ah, ils présentent le pass de combat d'une façon un peu différente. Pourquoi 1 sur 7? C'est quoi ce 1 sur 7 là? Attendez, X. Voir la récompense. Pas bien connu. Ouais. Une ombre en apesanteur. Attends, j'ai pas compris. Première moitié de saison, ça c'est le pass d'avant. C'est le pass de cet été là. Pourquoi ça s'appelle première moitié de saison? Si c'est une saison 1 et que la saison 2 s'appelle saison 2, c'est quoi la deuxième moitié de saison du coup? Je comprends pas. Et en plus le texte il est mangé derrière là. Le texte il est complètement mangé. Regardez à droite saison 2, une ombre en apesanteur. C'est complètement mangé. Je peux rien faire d'autre en fait, je peux pas scroll ni quoi que ce soit. La vidéo, on va éviter de la re-regarder. Mission, parce que c'est ça qui m'intéressait. Alors, lancer une partie, 80 points. Remporter deux parties, 360 points. Lancer 12 parties, être élu meilleur coéquipier, ça c'est le MVP. 12 à 6, 18 Pokémon, 500 points. Et ça c'est sur toute la saison. Connecter tous les jours, patati, patata. Tout ça, ça se fait tout seul. Sur la semaine et la saison, ça se fait tout seul sans problème. Sur la mission quotidienne d'aujourd'hui, les missions quotidiennes ne sont pas forcément les mêmes. Ça devrait être bon, je pense. Ok. On peut pas voir les missions de la semaine suivante sans tricher en masse. Y'a quoi dans le pass du coup? Que y a-t-il dans le pass? Y'a un Lucario. Je l'ai pas Lucario en plus.
Ah non, c'est une tenue. Mais il faut posséder le champion du coup. Ou alors ils offrent le champion avec. Ah, le Pokémon. Ouais, un kilt. Ah, mon dieu, il y a un kilt. Punaise, je veux le kilt. Parce qu'il y a une cornemuse avec. C'est pas très les étoiles quand même, hein, le kilt. Ça, je dis rien. Ouais. Oh, il est joli le violet. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Un chapeau Florizarre. Ah, il n'y a que 60 niveaux cette fois? Cette fois, il n'y a que 60 niveaux? Combien de temps? 46 jours? Bah, j'en ai fait 90 facilement en... la dernière fois, donc... Récompense de passe combat. Ectoplasma dans les étoiles, patati patata. Celui-là, le passe premium plus, je l'ai jamais compris en vrai. Ça ajoute 10 niveaux, mais j'ai pas compris l'intérêt derrière. Donc... j'ai pas compris, compris. Non, se connecter tous les jours 10 fois, semaine. Je pense qu'il y a un petit souci. Ouais. Je commence au niveau 10 de base, c'est juste un boost. Ah, d'accord. Ah, mais c'est nul en fait. Je croyais que ça te rajoutait 10 niveaux après. On essaie écrit en bas. Ça coûte le double. Ça coûte le double. C'est de l'arnaque en fait. Je veux juste regarder. Je vais rien acheter. Je veux juste regarder. Non, je veux les détails en fait. On peut pas avoir les détails. C'est nul. C'est nul. Bon, j'ai vu quoi? Tout ça. Maintenant, la boutique. Les boutiques, parce qu'il y a plusieurs boutiques. Si tu joues régulièrement, ça sert à rien. Ah voilà, on est d'accord. Alors, bureau des combats. Unité. En gros, c'est acheter les Pokémon. Le Vénard. L'euphorie, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Nigosier. Karchakrok. Je vais pouvoir enfin prononcer les Pokémon à la vraie française. Pardon. Absol. Monsieur Mime. Ectoplasma. Ouais, donc c'est ça, Lucario, je ne le possède pas. Et après, c'est les Pokémon que je possède. Donc en gros, là, actuellement, il me manque 9 Pokémon sur ce qui est proposé. Bon, en même temps, il n'y a pas tant de Pokémon que ça. Hein, en vrai. J'aurais pu en mettre plus pour une sortie. Et ça, je les ai déjà. On est d'accord que Zeraora, je l'ai déjà. Pourquoi il n'est pas dans l'eau, là, Zeraora? Est-ce qu'il est forcément offert quelque part? Okay. Le bazar. Il y a plein de vêtements. Oh mon dieu, Jack Sparrow. En fait, c'est Jack Sparrow low cost. Ce qui m'embête, c'est qu'il modifie la coupe de cheveux à chaque fois. Ça, on dirait les gens à Disneyland quand il pleut. Ouais. Alors les objets, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça je les prendrai avec les pièces par contre, parce que les tickets je préfère les garder pour acheter ce genre de choses là, les amplificateurs, pour acheter du coup des niveaux d'objets. Ça je m'en fiche, attendez, il y a un troisième boost. Non c'est 3, 7 jours, un jour, d'accord. Ça c'est l'énergie mais je m'en fiche un peu. Ça c'est pour changer de nom mais je m'en fiche. Ça c'est un boost de pièces, je m'en fiche. Ça c'est les objets que je possède déjà. Donc en gros là-dedans ce qui m'intéresse c'est juste les trois premiers trucs. Et une fois de temps en temps j'échange mes tickets contre les amplificateurs pour booster encore plus mes niveaux d'objets. Ok, ticket mode. Ben, je possède tout, donc c'est pas intéressant. Par contre la question de tout à l'heure là c'est j'ai quand même eu un jeton, 3 jetons 30. Mais je sais pas à quoi ils servent, ça m'embête vraiment beaucoup ça. Bon alors les skins des Pokémon, nous avons un Dracaufeu, et franchement Dracaufeu comme ça, il est pas dégueu. Bon lui on l'avait déjà vu, ça pareil. Oh punaise, il y a du chromatique. Ils font du League of Legends, ils font du chromatique. Ah.
argent sur 20. Flambuzeur, voilà, c'est tout ce que j'en pense. En vrai, s'il y a une tenue comme ça, IRL, vraiment, acheter les t-shirts, enfin, de survêt ou bandeau comme ça, ça peut être sympa pour faire du Ring Fit, en vrai. Ça devrait coûter bonbon. Ils sont vraiment pas ouf, les skins. Celui-là encore, ça va. Le Tortank est fort tank élégant, ça va. Mais là, orange sur orange, on voit même pas qui. C'est pas ouf. La tenue de Ronflex. Ah, on est d'accord. J'avoue qu'ils sont relous à modifier les cheveux. Ouais, je suis d'accord. Équipe bleue, équipe jaune. Bah, je partirais plus sur, en termes de tenue, équipe jaune. En vrai, je préfère. Là, en termes de design, je préfère le jaune. Ah ouais, ça doit être ça. Bah ouais, les skins sont vraiment pas bons. Puis même, enfin là, on dirait qu'il a juste une écharpe et une casquette. Pour moi, c'est pas un skin. Le pire, c'est celui-là. On voit rien. On voit rien. Ou alors ça, voilà. Le skin de blanc coton, on a mis des petits nœuds. Bon, et là par contre, ça c'est avec de l'argent payant, ça c'est avec de l'argent moins payant, c'est la monnaie la plus rare du jeu, on va dire. Donc techniquement, je pourrais acheter quelques trucs, en vrai. Celui-là, je l'ai eu dans la roulette, je l'ai gagné dans la roulette. En vrai, faisons-nous plaisir, en vrai. Faisons-nous plaisir. J'ai bien envie d'avoir le Tortank. Ou alors je prends les teams jaunes. Ouais, dans la roulette, j'ai eu lui. Et j'en ai eu un autre. J'ai eu le Ronflex avec la bouée. Allez, team jaune. Team jaune. Team jaune. Team jaune. Oh, punaise, y a lui. Team jaune aussi. Voilà, maintenant en skin un peu plus stylé, il y a lui qui coûte cher, 60. J'aime bien le Tortank, ouais, il est pas beau mais il est pas dégueu. Pikachu comme ça, ça me gêne un peu, je sais pas, j'aime. Ok, c'est design mais j'aime pas trop. Mais le Tortank en vrai il est stylé. On dirait un mafieux de Chicago, je sais plus comment ça s'appelle. Al Capone. Ou un détective britannique. En vrai. Voilà, en top. Pikachu de la haute, j'avoue. Bon, on a tout vu? Est-ce qu'on a tout vu des nouveautés là? Nouveautés. On va quand même jouer à la base, c'est un jeu. Avec son chapeau, faut l'appeler Madame Pikachu. Pas, je connais pas son genre. Ah si, on peut. J'ai dit une bêtise. On peut voir son genre, pardon. On peut voir. Alors non, on va pas regarder entre ses jambes, c'est dégueulasse. Non, par contre, on peut regarder. Ça, c'est un Pikachu mâle, parce qu'il a pas le cœur au bout de la queue. Et c'est un Pikachu mâle aussi. Voilà. Voilà, voilà. C'est juste un petit bout de truc à changer, franchement.
ça aurait été agréable qu'il change ça, je pense, quand même. En vrai. C'est quoi ce truc? Ah oui, d'accord, ok. Oh, c'est le Jardin de Senteur. Let's go, j'aime beaucoup cette map. J'aime beaucoup cette map. Quelle heure il est? Oh punaise! J'avais pas vu l'heure. En flambubu, parce que j'aime beaucoup flambubu. On a toujours le mystère du jeton 30, hein, faut le garder en tête, hein, le mystère du jeton 30 sur les objets tenus. J'ai pas compris où est-ce qu'il est apparu dans mon inventaire. Mystère et boule de gomme. C'est le modèle à changer pour le coup, des tests en plus pour voir quel modèle est affiché. Ah oui, il a peut-être raison. Hein. Après, au final, quand t'as... Ouais, non, c'est que des fringues. Ce ne sont que des fringues. C'est un modèle aussi. Ok. Prêt ? C'est parti ! Mon dieu, cette voix, je sais qui c'est le doubleur au secours. Si vous regardez les dessins animés du matin sur TF1, vous avez la même voix. Ah, c'est bien, je vois mieux mes IPS. Génial, mais. Un truc en plus affiché à l'écran. Vous voulez faire ça? Allez, on fait ça. Je me demande par contre si c'est une vraie localisation entre joueurs français ou joueurs européens. Allez, au secours, il y a l'oiseau bleu qui me fait bobo. Oiseau bleu qui fait bobo. J'ai absolu. Pas encore appris, impact. Je vois pas l'intérêt de la L, pardon, excusez-moi, mais. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Il y avait un truc à faire aussi en partie, il y avait l'histoire du... Voilà, non, c'est pas cette emote là. Oui, là je suis en mode un peu... C'est pas très grave. Ah, c'est bon, j'ai utilisé, d'accord. Rassemblement, ok. Rassemblement, c'est le drapeau jaune, ok. C'est pour dire venez ici. Bon, normalement, ma quête est faite. J'ai utilisé. T'as le temps de gagner en fait, parce que voilà, tac, je fais pas grand chose. Continuez comme ça. Votre équipe a de l'avant. La voix, tu m'as fait peur par contre, hein. Elle est flippante. Bien joué. Mais... J'ai raté. C'est du peuple ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a du genre, au secours. Non! Le bout de la vague! Vas-y, flambubu! Il avait le temps. Bon, allez. On joue sérieux. On va aller au centre. On va
va aller au centre. Au secours. Oh, argent sur vous. Tac. Ah mince, on en a tous les deux 50. Il aurait fallu que quelqu'un d'autre... Hop. Pause. J'ai eu le temps de poser. Mais quelle erreur. Quelle erreur de l'adversaire. 100 points gratuits. C'est beaucoup plus agréable de jouer en français en vrai quand même. C'est vraiment beaucoup plus agréable. Bye, bonne ça. Soirée, Miss, bonne fin d'après-midi. Merci. Je pense que le stream qui s'est maniné reviendra en. Bien joué! Or, planning, de toute façon, déjà, il y a trop ces fichus heures Twitch à faire. Horrible. Et depuis une nouvelle saison, on dit qu'il faut monter en rang de toute façon. Il va y avoir du temps de nuit. Bien joué. Et non, je pose quand même. Et c'est moi qui ai le x2, c'est pas toi. Il a cancel. Je comprends pas cette histoire de cancel ultime, pas ultime. Hein. C'est horrible. Bon, je peux pas revenir en jeu. Je peux pas revenir. 5, 4, je sais pas du tout qui gagne. 3. 2, 1, terminé. Je crois qu'on a gagné. C'est pas mal ce qu'ils aient fait là, ça fait un truc à la Splatoon. Mais pour mobile, ça fait charger des choses en plus. Donc j'espère que pour mobile, ça s'affiche directement. Ah oui, on peut mettre des GG. Alors, tac, bravo. 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 Voilà, c'est ici qu'on signale qu'on a vu des gens et tout. Et voilà. Je viens de penser à un truc là, mais c'est la fin de saison. Mais j'ai pas eu les récompenses des ranked de la saison passée là. Saison passée, j'ai réussi à monter vétéran, l'équivalent du platine. Bon, au tout début du platine, faut pas déconner en fait. Mais j'ai pas eu mes récompenses. Vu qu'il y a que 2000 tickets dans mon inventaire, normalement j'aurais dû en avoir 6000 ou 10 000. Alors j'aille jeter un œil à quelque chose. Ou alors la saison ranked se poursuit. Ça m'étonnerait. Une saison de ranked, ce serait deux saisons de passe. Non, ça m'étonnerait. On est sur un jeu hyper court. Hein. Déjà, une saison, c'est un mois et demi, deux mois. Je sais pas. À vérifier. À vérifier. Allez Bulbillon, Bulbi, 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 allô. Bon, je pense qu'il testait ses... Je pense que Bulbizarre, c'est un nouveau joueur qui teste le personnage. On peut lui accorder ça, il a le droit. S'il a besoin d'aide, il va falloir ne pas être très très loin. Il y a un flambibi là-haut. Il a besoin d'aide ? Il arrive. Ah punaise.
honneur et soft. Attendez, il y a un x2 là, il y a un x2, il y a un x2, hop là. Tac. En profiter. Ah, vas-y Lulu. C'est bon, c'est fait. Nickel. 4. Yabra. Ça suffira pas. Oh putain. Ah, il est là. Il est là, il est là. Yes, c'est bon. Et de 40. Allez, on va faire 10. Tac. Et voilà. Il y a du monde au balcon. Il y a du peuple, il y a du peuple, il y a du peuple. Bon, il pose 40 et pas 80. Ouf. Mais c'est embêtant quand même. Il va falloir aller au centre par contre. Ouais, voilà, il y a Florizard, il a réagi. Il va falloir aller au centre. YOLO. Mais il a même pas commencé. Non mais il fallait commencer plutôt. Vas-y, allez, battez-vous. Battez-vous entre vous. Il y a un... Vite, 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 vite. Vite, qui c'est qu'il a? Je sais pas qui c'est qu'il a. Punaise, c'est l'autre qui l'a. Oh punaise, c'est eux qui l'ont. Bon bah c'est la partie est perdue. Attention. La partie est perdue, là il pose 50 plus 100, 150. Bien joué. Allez, le puissant qui arrive derrière, voilà. Là ils ont 150. À moins d'avoir le prochain Régis qui pose là. Ça va être très dur. Il n'y a pas un Abra qui traîne, ça serait chouette. C'est vraiment chouette qu'il y ait un Abra quelque part. C'est toi qui as le 9, pose-le s'il te plaît. Merci. On va aller chercher les scores des côtés. Tac. Il a pas. Pourquoi mon ultime est cancel maintenant? Ça n'était pas le cas la saison d'avant. En même temps, j'ai pas lu le patch nerf. Bon. Ah oui, Flambubi s'est fait plaisir. Il a fait un triple KO là. Bien joué. Il a posé 98. Ouais, c'est. C'est mort. C'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Au milieu. On peut l'empêcher, lui, on peut l'empêcher. Bien joué. Pourquoi mon ultime est parti à Péta ou Fnok? Yes. Bon, je suis mort. Salut Torval. Ah oui, c'est compliqué de répondre. Heureusement que c'est des parties courtes. Et vous imaginez, c'est une partie gold, je vous réponds pas quand pendant 40 minutes. C'est perdu. Oh, la voix qui a dit défaite. Prends ça dans la tête. Je suis MVP quand même, ça va. Non, j'ai pas dit GG aux autres. J'ai pas dit GG aux camarades. Allez, on en fait une dernière en rapide et on fera une classée, je pense, histoire de voir un peu ces histoires de saison. Quand même. Hop, je reprends toujours le même. Pas évident de suivre le chat complètement. Il coûte cher ton jeu, il est gratuit. Pokémon Unite, il est gratuit. Il est sur mobile et Switch. Sur Switch, attention, il faut avoir l'abonnement Nintendo Online par contre. Mais sinon sur mobile.
C'est gratuit, c'est du LOL. Hein. Et LOL est gratuit. Heroes est gratuit. Dota est gratuit. Smite est gratuit. Tous les MOBA sont gratuits. Après, faut payer pour avoir certains systèmes, certains trucs de skins, etc. Mais sinon, c'est gratuit. Mais vu que beaucoup de gens achètent du skin, des battle pass, etc., bah au final, ça revient plus cher qu'un jeu en vrai, sur le long terme. Rip la Switch, je joue pas à cette console, j'aime pas. Bah, il est sur mobile, là, Pokémon Unite. Il est sorti aujourd'hui sur mobile. T'aimes pas la console? Putain, c'est ma console préférée. De toutes les consoles que j'ai eues, bon, j'ai une certaine question nostalgique que j'aime beaucoup. Mais la Switch, pour moi, est une très 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 bonne console. En tout cas, pour l'utilisation que j'en ai. Mais ne prenez pas la Switch OLED, surtout pas. Ne prenez pas la Switch qui sort début octobre, c'est une arnaque. Vous allez avoir des soucis sur vos écrans, je vous le dis. Et Nintendo l'a confirmé en plus. Et ça, c'est pire, quoi. Par contre, si vous achetez une Switch, sachez qu'elle est moins chère maintenant. La Switch normale, pas la OLED. La Switch normale, elle a baissé de 30€. Grand chose sur la map. Punaise, ils l'ont volé. Non! J'ai vu ma mort arriver. Bravo à mes camarades, vous pouvez en avoir deux ou trois là. Profitez-en. Pas très très bon aujourd'hui en vrai. Peut-être falloir que je lise pour de vrai le patch note. Pour comprendre. On pose comme ça, ça ne paraît pas. Par contre, l'ultime de l'oiseau bleu, ça, il est horrible. Il prend toute la map, quoi. PS2 supérieur. Ah, mais. Si on part sur des consoles rétro. Ouais, PS2, c'est vrai que j'ai passé énormément de temps dessus. Il y a le centre, les gens. Voyez au centre. J'arrive, je pose les 12 points pour pas les perdre. Ah, oh, punaise, il y a tout plasma, il y en a 40. C'est bon, il y en a plus 40. On récupère les points des plasma. Le petit ultime. Il y a un double KO de la part de l'adversaire. Paf! Double KO pour ma pomme. YOLO. Vite, vite, vite. Les 32, faut pas les perdre. Non, c'est perdu. Ectoplasma qui récupère ses points. Florizarre qui l'en empêche pas. Trop tard pour Florizarre. Florizarre qui fait des dégâts quand même. La petite torgnole là. Allez, je vais au centre direct. Je crois au centre. Allez. Ah, ça c'est nouveau, ça, cette attaque. Ça aussi. Yes. Y'a pas de vie. Non. Cours, casse-toi. La vie.
Bon. Au moins, il pose 150. C'était L plus pour dire. Oh. Bien joué. J'en ai 42, je vais peut-être aller assurer mon coup moi. En vrai. Punaise, il y a deux Abra. Vite les 50. Les 10. C'est bon, ils sont passés. Ils sont passés, ils sont passés. Ah, c'est serré quand même. C'était serré, il y a moins de 100 points d'écart. Ils auraient eu le Régis Gijas, là, je sais pas comment il s'appelle, ils gagnent. Allez, on va dire GG à tout le monde. Bravo, bravo, bravo. Non, pas à moi. Bravo, 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 voilà. Ça fait 3 parties. Donc normalement, et maintenant, c'est faire la ranked. Mais avant ça, les... Ah punaise, les cuts quotidiens, il faut quand même aller dans le profil. Ça, c'est pas cool, par contre, ça fait vraiment faire des actions en plus. Quête du jour, il reste juste à faire jouer avec un ami, et ça, je vais avoir du mal à le faire tous les jours. Mission quotidienne, ça là c'est fait. Zeraora, remporter des parties. Allez, les sentiers ils sont gratuits. Zeraora, je pense que je vais prendre des pièces à la fin. Parce que là il y a eu des choses. Lancer 5 parties avec un attaquant, donc ça compte là-dedans quand même. Les parties rapides, 5 minutes comptent là-dedans, tant mieux. Ah bah oui, j'ai déjà vu. Ça, ça se fait tout seul, je récupère aussi. Et le reste, normalement, c'est bon. Ça fait beaucoup de quêtes en vrai, hein, qui sont apparues. Plus le pass. Parce qu'il y a quand même des choses à récupérer sur le pass s'il n'est pas acheté, vu que il y a des missions et il y a quand même des récompenses gratuites dans le pass. Donc, on va tout recevoir. Voilà. Ah ben ça m'a compté toutes les quotidiennes. D'accord, parfait. J'ai marqué 488 points de plus. Okay. Ça je le récupère juste après. Ah oui, ça c'est sur la saison, c'est pas juste sur la semaine, c'est sur toute la saison. Okay. Et première récompense gratuite qui passe, c'est des tickets. Il y a combien on a dit dans le pass? 70. 60. En vrai, j'arrive à faire par semaine de la saison passée. J'arrivais à faire pas mal de niveaux. Je pourrais me tenter par acheter le pass. Je vais y réfléchir. Allez, on fait une ranked. Merci. Wait. Ah, ils ont renommé ça. Donc maintenant c'est avancé, confirmé, spécialiste, expert, maître. Donc, je recevrai 10 000. Mais c'est quand la fin de saison du coup? Ça, c'est le monde. Mais s'il met ça, c'est... C'est toujours la saison 1 en fait. Donc la saison, elle est pas terminée alors. Rang autorisé. Pourquoi rang autorisé? Des rangs non autorisés. Mais ça aurait été chouette de savoir quand est-ce qu'est la fin de saison en fait. Je vais pas lancer une ranked si je descends. Quoi qu'il arrive, j'aurai les récompenses de 10 000, ça c'est clair. Mais je tiens à rester sur ce rang-là jusqu'à la fin de saison. Je sais que j'arriverai jamais à atteindre l'expert, c'est pas possible. J'ai pas le niveau. Pas le niveau. Donc en gros je vais pas faire une ranked du tout.
va faire une normale. On va faire une normale et je m'arrêterai là. On fait une normale, je m'arrêterai. Parce que ça fait un bon moment déjà. Qu'est-ce que je joue? Je ne valide pas pour le moment. Il leur faut quand même un défenseur. Je sais pas très bien jouer Tortank, mais je peux le tenter. Par contre, il a quoi un item Tortank en vrai? Non, je vais laisser ça. Allez, go. Je sais vraiment pas bien le jouer. Oh, le skin de Pikachu. Il est chouette. Ah oui, si vous savez pas, on peut faire ça et voir le skin des gens. Mais ça fait laguer à mort. Ça fait vraiment laguer à mort. Allez, je suis Carapuce. C'est parti. Moi je pose. Oh non, j'ai fait des bêtises. Du coup là ils vont poser 20, 30, 32, 33. Ah, j'ai pas fait gaffe, il y a un truc en haut à gauche de l'écran qu'ils ont rajouté qui n'était pas avant, c'est le nombre de points qui nous reste. C'est bien ce qu'ils ont fait ça, c'est intelligent. Parce que certes ça se voyait sur la map, mais une map. Le fait de l'avoir en plus, ça fait un focus. C'est pour dire attention les gars, il vous manque tel point, regardez où est-ce que vous en êtes par rapport à l'équipe adverse. C'est pas bête. C'est pas bête du tout. C'est quoi le bouton plus là-haut? D'accord, ils ont mis ça ici maintenant. Celui-là. Pas plus là non plus. Voilà, c'est ok. Hydrocanon, giclée d'eau. Hydrocanon. Carabaf.
Il y a un Lucario pas loin. Tu ne poseras point. Ah ah. Allez, il est pas. Il y a un truc qui me gêne, mais que je peux comprendre dans le jeu. C'est oui, je pense ça. C'est que certaines attaques sont un peu auto-guidées. Et ça, c'est, je trouve, embêtant. Punaise. Faudrait prendre le mutissement en haut, mais... Ça serait du kiki double, quoi. En train de le faire. Bon ben voilà. Mais non, ils l'ont eu. J'utilise plus la roue des cibles. J'ai plus le réflexe de le faire, c'est vrai. Faudrait que je... C'est vrai. Ce serait bien d'y penser. Pour la moto dans la rue. Je suis pas bizarre là. C'est pas une belle partie. Attention. Au bot, le bot, qu'est-ce qu'il fait? Il va poser l'oiseau bleu là. Faut que t'ailles poser. Oui, j'ai vu. Attends, j'arrive. Ultime. Ah mince, mais l'oiseau bleu, il est décédé. Mais il est KO. Un Pokémon ne décède pas comme ça. Il se met KO. Et après, il va sans Pokémon. Il appuie sur 56 fois sur A ou B. Et les fermières jouent, du coup, il reçoit les Pokémon. Oh punaise, y'a Draco. Ça pareil, ça serait chouette qu'il y ait une affinité de type. Et c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. C'est vraiment dommage ça. Allez, on se met ici, il va falloir démonter le motisma, j'appelle à l'aide. J'appelle à l'aide là. Voilà, là je vais aller. Tout seul les gars. Je sais pas jouer tant que si. J'aurais dû garder le lapin de feu. Pikachu est AFK, sérieusement? Et ben, ils y vont aussi.
On n'a même pas pris un seul point. De faire un truc avec un Elector, mais Elector a eu Mikao Absol, c'est le moment. Mais je suis tank, je ne suis pas dégâts. Du coup, je fais rien à l'Elector. Oh non, je fais rien, je fais pas de dégâts, j'ai besoin de mes camarades. Par contre, je peux tenter de faire un truc. Vite fait. On est dans la dernière des deux minutes là. Tac. Ça fait 62. Voilà. Pour ça de prix, je pense pas que ça suffise. Allez, je me casse. Surf. Non, c'est nous qui avons l'Elector. Faut pas que je me casse en fait. Enfin si, mais dans l'autre sens, punaise. Est-ce qu'on a posé? Non, on est tous morts. Mince. On est tous morts. 72. 100. Et Pikachu qui est AFK. Ça pose là. Lucario. Bien joué. Bien joué. Oh ben. J'ai rien imposé, je vais rester là. Allez, il y a le chat électrique 3, en bas à droite. 2, ça suffira 1, pas. Ça ne suffira pas pour le chat électrique. Défaite. Et oui, la défaite. Et oui, 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 bien sûr. Et oui. Bon, pas de regret, ils étaient au-dessus tout le temps. Donc pas de regret. On va quand même leur dire GG. Voilà. Normalement, il y a une petite récompense à récupérer là-dedans. Voilà, ça c'est fait. Donc là techniquement, je suis déjà niveau 3 du Battle Pass. Et j'aurais pu récupérer des chaussettes. Magnifiques chaussettes. Quoique c'est les chaussettes du Crypt en vrai. Voilà, je stop là. Ouais. Je stop là. Vous retrouvez prochainement. Il y a quoi de on est quel jour? Mercredi. Draken ce soir à 21h sur la suite de Rayman Origins. Un jeu avec des petits êtres qui font des bruits bizarres. Avec des portes qui font ouh. Voilà. Il est probable que vous retrouvez Yakipon dans la nuit. Il va faire de la cuisine. Peut-être. Ça, c'est pas sûr. Mais je sens l'odeur de la cuisine. Pour ma part, demain soir, sur du WarioWare, en dehors du mode histoire, parce qu'il y a encore des autres choses à faire, c'est un jeu très rigolo, de toute façon. Vendredi... Et peut-être que je ferai du Pokémon Unite en suivant. Vendredi... Oh, peut-être pas, en fait. Attendez. Je sais plus. Bref, vendredi soir... Draken Rayman Origins et moi ça va piquer samedi matin très tôt Ring Fit
Et j'espère pouvoir faire tout ce que j'ai à faire en rank 8 samedi matin, parce que mon timing va être très très serré. Et la semaine prochaine, je sais pas encore, en vrai, il y aura Pokémon Unite sûrement, du Rayman Origins très certainement, peut-être du Skull The Hero Slayer. Bref, vous connaissez la chanson, suivez, abonnez-vous, Discord, les réseaux, les YouTube. Voilà. Bien joué, ça arrive bien. Oui, non, mais les défaites, ça fait partie du jeu, de toute façon. Pour qu'un jeu soit vraiment équilibré, il faut faire une victoire et une défaite. En vrai. C'est tous les MOBA, ça arrive bien. Merci pour la présentation de la mise à jour, j'ai plus qu'à m'y remettre. Ouais, franchement, la mise à jour est très agréable. Ils ont bien refondu l'interface ici. Il y a encore des choses, il y a des défauts, je trouve, sur quelques détails. J'ai encore des choses à apprendre, réapprendre et à fouiller 2-3 trucs que j'ai pas retrouvé. Mais c'est déjà plus clair là, comme ça, je trouve, en termes d'interface. C'est moins chargé. C'est vraiment moins chargé. C'est vraiment chouette. Donc voilà. Maintenant, il va falloir faire toutes les quêtes. En même temps, ça se fait un peu tout seul. Bref. Voilà. C'est tout. Bonne fin d'après-midi, bon début de soirée, bon appétit. 21h Draken pour ma part à demain. Cordialement bisous.